Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour une toute nouvelle semaine de football. Il s'est passé énormément de choses encore cette semaine. On va vous décortiquer tout ça, bien évidemment, avec notre magnifique équipe. On va parler, bien évidemment, du gros match, du classiqueur entre Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Un match très, très beau, très, très animé. On va vous faire un gros débrief de ce match. On vous parlera aussi de la blessure de Zlatan Ibrahimovic du côté du Milan AC. Est-ce la fin de carrière du géant suédois ? On vous remettra toutes les infos pour vraiment comprendre cette blessure. Et enfin, on parlera du LOSC et du rachat du club de Moucron pour en devenir un club satellite. On parlera de toute la philosophie, mais aussi l'historique qui lie les deux clubs. Tout ça, c'est dans Passion Foot, tout de suite. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non. Vas-y, je vous le dis. Et bien évidemment, pour aborder tous ces magnifiques sujets, je suis bien évidemment avec ma magnifique équipe, Brieux et Mathéo. Comment tu vas, Brieux ? Super, super, et toujours pressé, comme d'habitude, de débattre et de parler avec vous. Et bien évidemment, toujours présent, toujours là. Mathéo, comment tu vas, Mathéo, en cette magnifique journée de football ? Écoutez, messieurs, je vais très bien, et puis on a beaucoup d'actualités à débriefer, dont un beau match de Dortmund et du Bayern de Munich. Et oui, bien évidemment, c'était le gros match, le classiqueur la semaine dernière en Allemagne entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Un très, très beau match entre deux concurrents au titre, seulement 4 points d'écart avant le début de la rencontre. Un match très important pour le Bayern pour respirer, pour prendre 7 points d'avance, mais aussi un match très important pour Dortmund qui devait regarder devant. Mais aussi derrière, il y a quand même une bataille qui se joue derrière avec Leverkusen et Mönchengladbach pour cette deuxième et troisième place. Messieurs, on a quand même eu un très très beau match de foot, Brieux. C'était un vrai vrai classiqueur comme on a l'habitude de voir. Voilà, moi c'est personnellement de tous les matchs que j'ai regardé, je trouve que c'est le match qui était le plus abouti des deux équipes depuis la reprise finalement. Et c'est pas étonnant parce que c'est les deux équipes qui survolent, même si le Borussia Dortmund a un peu plus de mal, vraiment qui sont en tête et les locomotives de la Bundesliga. Ces deux équipes qui se connaissent très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des allers-retours. Je pense notamment à Mats Hummels, Robert Lewandowski ou tous ces joueurs-là, ou même Mario Götze, qui sont passés par le Bayern et par le Borussia. Donc un beau match dans l'ensemble. Voilà, un match convaincant pour une reprise de Bundesliga, finalement. Mathéo, toi, tu as pris du plaisir devant ce match. On sait que ça fait déjà un petit moment que le Borussia Dortmund court après une nouvelle victoire contre le Bayern Munich. Ils ont gagné cet été pour le trophée, la Supercoupe, en gros, d'Allemagne. On s'attendait à peut-être un gros match de Dortmund, on l'a eu, mais pas avec le score espéré pour les jaunes et noirs. Oui, c'était un beau match de football, ce qui nous a manqué pendant 2 à 3 mois. Moi personnellement, j'étais un petit peu déçu par Dortmund et par un petit peu le match en général, dans le sens où j'attendais beaucoup plus de certains joueurs. Je pense à Lewandowski, je pense à Haaland. Ou encore Müller ou Brandt, c'était les duels vraiment que j'attendais vraiment au top. Bon, ces joueurs n'ont pas eu le niveau que j'espérais, mais ça a été comblé par d'autres joueurs comme Alphonso Davies, comme Kimmich, comme Hummels, qui ont fait un match vraiment costaud. Et on a vu vraiment un match de football abouti, un très beau match de football, et qui est vraiment pénalisant, je dirais, pour le BVB qui va devoir batailler du coup maintenant et regarder vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Comme tu as dit, Mathéo, il y a eu quand même, on va dire, des performances qui ont été un peu moindres. Comme tu as dit, on attendait les grands joueurs, que ce soit du côté de Dortmund ou du côté du Bayern. Finalement, c'est les plus petits joueurs qui ont vraiment, on va dire, montré leur capacité. On parlera bien évidemment du joueur de Joshua Kimmich plus tard. C'est quand même ces petits joueurs qui ont rendu ce classiqueur vraiment impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, Brieux, de ces petits joueurs qui se démontrent dans ces grands matchs? On parle tout de même pas de petits joueurs parce que vu le talent de certains joueurs, voilà. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on attendait plus les ailiers
et les, enfin, la ligne offensive finalement, que ce soit du côté du Bayern avec Lewandowski, Coman, Gnabry ou Thomas Müller. Et finalement, on a plutôt vu le milieu de terrain Goretzka, Kimmich qui a rayonné tout simplement. La même chose du côté du Borussia Dortmund. On attendait Sancho qui était finalement remplaçant au coup d'envoi. On attendait Haaland qui n'a pas fait son meilleur match, loin de là, sous les couleurs jaunes. On attendait aussi, pourquoi pas. Enfin, on attendait d'autres joueurs et finalement, c'est pas ceux-là qui ont répondu présent. Donc voilà, dans l'ensemble, ouais, c'est finalement les seconds couteaux, entre guillemets, même si on parle de joueurs exceptionnels qui ont répondu présent. On a vu, moi personnellement, je retiens surtout le match du côté de Dortmund de Mahmoud Daoud, qui fait quand même un très très gros match au milieu de terrain. Enfin, dans le sens où je l'ai trouvé vraiment. Enfin, c'est pas un grand joueur du Borussia Dortmund. Quand j'entends grand joueur, dans le sens, je pense à des Haaland, à des Brandt, à des Guerreiro, à des Hummels, des joueurs qui ont cette carrure, on va dire, vraiment d'être, on va dire, des top players de cette équipe. Mais on a vu un Mahmoud Daoud très très bon, et on a vu aussi avec la sortie de Julian Brandt. Pour la deuxième mi-temps, Dortmund a eu beaucoup beaucoup de mal une fois que son meneur de jeu est sorti. Ça a été impressionnant de voir le choc. On a vu aussi comment il s'appelle déjà? Un Organiser. Thorgan Hazard, voilà, totalement totalement effacé. Oh, je suis pas d'accord, moi. Ah, moi j'ai alors Moi, moi j'ai bien aimé. Moi, je j'ai trouve qu'à chaque fois qu'il portait la balle, il amenait quelque chose de plus dangereux, que ce soit. Avec Julian Brandt, je trouvais que c'était un peu les deux dynamiteurs du jeu du Borussia Dortmund. À chaque fois qu'il touchait à la balle, il pouvait se passer quelque chose. Il y a eu quelques passes bien senties, que ce soit de Thorgan Hazard ou de Julian Brandt. Après, à la conclusion, c'était compliqué, mais moi, j'ai bien aimé Thorgan Hazard. Moi, j'ai pas de, enfin, après, je peux comprendre, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il était aussi, on va dire, impactant que dans les deux autres matchs qu'il avait joué juste avant contre Wolfsburg et contre Schalke 04, où il avait été quand même très très bon. Là, je l'ai trouvé un peu trop personnel, un peu trop seul aussi, peut-être. Hein, peut-être que le fait que Erling Haaland n'était pas là non plus, enfin, était là, mais dans une méforme un peu quand même pour le buteur norvégien. On est quand même sur quand même un gros gros match quand même. Et les joueurs qui sont rentrés du côté de Dortmund après n'ont pas vraiment fait le travail, je trouve. Par exemple, je pense notamment à Emre Can qui est rentré, et on avait l'impression qu'il a complètement ralenti le jeu. C'était quand même, enfin, moi je trouvais assez ahurissant de voir ces joueurs qui ont un peu disparu. Qu'est-ce que t'en penses un peu, Mathéo, toi, quand même, de voir les gros joueurs qui ont disparu, comme Erling Haaland par exemple, ou des joueurs plus petits. Julian Brandt n'a pas fait non plus une première mi-temps étincelante. Qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, de ces grosses performances qu'on attendait et qui ne sont jamais venues? Bah, tu parlais d'Emre Can, mais il faut parler aussi de Jadon Sancho, Ah qui depuis la reprise, il est vraiment méconnaissable. Je le voyais sur le ouais. terrain, il est censé ramener justement cette technique, cette fraîcheur. Il marchait sur le terrain, il n'était pas du tout impliqué. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà la tête à un départ? On voit qu'il s'est quand même laissé aller un petit peu pendant le confinement. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, ça fait partie aussi des dangers de cet arrêt du football pendant quelques mois. Il faut bien suivre les joueurs. Il y en a qui reviennent vraiment en forme. Alphonso Davies, vraiment cette mobylette. Eh ben, on a plutôt un Jadon Sancho, une trottinette. Donc voilà un petit peu la comparaison. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont un petit peu déçu. Haaland, ça fait quelques matchs qu'il est un petit peu muet, un petit peu maladroit. Donc voilà, mais il y a quand même d'autres joueurs qui ont su vraiment remplacer, comme tu as dit, Daoud ou Hummels à Dortmund, par exemple. Ouais, On retiendra Sancho. bien évidemment on retiendra cette magnifique citation avec la trottinette, absolument incroyable cette citation. On va revenir sur le seul but du match, hein, mais quel but de la part de Joshua Kimmich, ce magnifique lob en dehors de la surface de réparation, ou alors à l'entrée de la surface de réparation. Comment il prend cette information? Comment il arrive à voir que Roman Bürki est tellement, tellement avancé par rapport à son but? On parlera aussi de Roman Bürki qui, pour moi, n'est pas totalement innocent sur ce but. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brio, un peu de ce magnifique but de Joshua Kimmich? Moi, je suis partagé en regardant le but en direct. J'étais carrément partagé au moment où il frappe la balle. Je me suis dit, c'est du génie ou c'est totalement loupé? Qu'est-ce que c'est? Tu comprends pas bien avec l'angle de la caméra. Et finalement, plus ça va, plus tu te rends compte que ça a juste été un but magnifique, quoi. Et vraiment, quel toucher de balle. Certes, Roman Bürki n'est pas comment dire, il est coupable sur ce but, hein, forcément un petit peu parce
il y a une faute de main, mais finalement, je ne sais même pas s'il aurait pu l'attraper parce que c'est vraiment très, très bien touché. Donc, j'ai plus à dire que c'est du génie de la part de Kimmich plutôt qu'une sorte de boulette finalement de Roman Bürki. Mais franchement, mais quel toucher de balle, vraiment. À l'image de son match cette saison, Kimmich, vraiment, quel joueur. Un gros, gros match de Joshua Kimmich, toi, Mathéo. Qu'est-ce que tu en penses de ce but qui est quand même venu d'ailleurs, hein, vraiment, vraiment. Enfin, moi, ce qui me choque avec ce but, c'est que quand on voit l'action, il a la tête baissée pendant quasiment toute la partie où il a le ballon. Et je ne peux pas me dire à quel moment il a pris l'information qu'Roman Bürki était si enlevé et comment il fait ce geste. Enfin, à cette distance-là, c'est exceptionnel. Comme vous l'avez dit tous les deux, c'était imprévisible, dans le sens où même Bürki, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Donc, tout simplement, il n'était pas sur ses appuis et il a été un petit peu surpris lors de l'arrivée du ballon. Donc je dirais que je vais rejoindre Brieux, c'est plutôt un éclair de génie que plutôt qu'une boulette. Il aurait dû avoir la main mieux située, mais sinon vraiment un éclair de génie. Et puis Joshua Kimmich, quel joueur sous-côté, mais quel joueur sous-côté, il est incroyable. Il me fait penser un petit peu à une comparaison un petit peu osée, mais à Verratti. Je le trouve vraiment partout, ce joueur un petit peu petit et qui lâche jamais rien. Il est tout le temps là, il est toujours en train d'embêter les joueurs. Il récupère un ballon incalculable chaque match et puis il est capable de phases offensives merveilleuses. Donc c'est ça, c'est vraiment un super joueur. Alors je viens de revoir le but, autant pour moi, c'est vraiment du génie. Hein. Il est peut-être successeur de Philipp Lahm, hein, au Bayern Munich, Joshua Kimmich. Il joue milieu défensif comme en fin de carrière pour Philipp Lahm. Il a été formé arrière droit. C'est l'ADN du Bayern Munich. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être là le futur capitaine du Bayern Munich, comme l'avait été Philipp Lahm pendant de nombreuses années? Ça, c'est quelque chose qu'on suivra avec attention. Moi, j'aimerais quand même revenir un peu sur Roman Bürki. Il a le ballon dans le gant, quand même. Enfin, il a vraiment le ballon. Le ballon est dans sa main. Et je trouve que sa main n'est pas assez ferme. Après, c'est sûr qu'il n'est pas du tout prêt. Il est un peu en avance. Il ne voit pas le ballon arriver. C'est très compliqué, bien évidemment, d'essayer de récupérer un ballon comme ça. Mais quand on voit le ralenti, qu'on voit qu'il a vraiment le ballon dans le gant, ça me paraît compliqué quand même, de pas même juste un petit coup pour que ça passe sur de la transversale. Mais bon, après, on parle, mais en temps réel, je pense que c'est impossible vraiment de juger quelque chose comme ça. Et bien, bravo à Kimmich pour ce but, mais absolument exceptionnel. Le potentiel futur capitaine du Bayern Munich dans les années qui viennent. On va revenir sur un dernier élément, messieurs, un élément qui a fait beaucoup, beaucoup parler. La frappe d'Erling Haaland, contrée au début du dos par Jérôme Boateng. Et au ralenti, on voit clairement que c'est le coude de Jérôme Boateng. Il élargit sa surface de corps pour mettre son coude entre dans la surface de réparation. La VAR n'a jamais été consultée. L'arbitre n'a pas du tout été averti par ses assistants. Il n'a pas demandé non plus la VAR. Qu'est-ce que tu en penses un peu, Mathéo, de Jérôme Boateng? Pénalty ou pas pénalty? VAR ou pas VAR? Clairement pénalty. Il y a clairement pénalty, surtout qu'avec la VAR, tu peux le voir sous plusieurs angles. C'est vrai qu'à vitesse réelle, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression que c'est du dos. Mais quand tu vois vraiment avec les caméras un petit peu zoomées, les plans zoom, tu vois clairement qu'il y a main et qu'il y a vraiment intention de dévier le ballon. Parce que clairement, ça prenait le chemin du but. Et on peut se poser vraiment des questions sur la VAR parce qu'on a l'impression qu'elle fonctionne que quand les joueurs vont se plaindre à l'arbitre. Donc c'est un petit peu embêtant et ça montre un petit peu les limites de la VAR et des réglementations qu'on pourrait y apporter. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que moi quand j'ai vu le match en direct, je me suis dit mais attends, la VAR, enfin l'arbitre dans ses camions voit quand même, enfin ça, on a les images à la télé, il en a, à mon avis, il en a 10 fois plus que nous. Et nous on arrive quand même à juger derrière notre télé. Et comme t'as dit Mathéo, quand on voit un peu comment marche la VAR, que ce soit en France mais aussi un peu partout, on a quand même cette impression que c'est les joueurs qui vont se plaindre à l'arbitre et que la VAR est à ce moment-là regardée par les assistants. Moi, quand j'ai vu, j'ai trouvé ça assez choquant. C'est quand même assez étonnant quand même que la VAR n'ait pas du tout fonctionné, Brieux, qui ait vraiment eu zéro intervention de la VAR pour une action comme ça. Ah, je vous rejoins totalement et je vais retrouver totalement Mathéo dans ce qu'il a dit. On a vraiment l'impression que c'est sur demande des joueurs. Mais finalement, j'ai l'impression que personne n'a relevé ça, même un joueur du Bayern Munich ou un joueur qui aurait pu peut-être se dire... On va rien dire. On n'a rien vu. On a l'impression que personne n'avait réagi. Aucun joueur du Borussia qui a réagi. Vraiment très, très surprenant comme décision. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est que personne n'en a fait une affaire d'État après le match. Personne du Borussia Dortmund n'est venu se plaindre. Alors, on a fait un scandale.
Et je trouve que c'est tout à leur mérite. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Sûrement parce que ça aurait donné penalty. Mais moi, je trouve ça bien que après les joueurs du Borussia Dortmund n'aient pas remis toute la faute de leur résultat, comme auraient pu le faire certains dirigeants français, sur la faute arbitrale. Et donc ça, c'est tout à leur honneur. Comme tu as dit, il n'y a pas eu de gros scandales en Allemagne vis-à-vis de ça. On a quand même eu Lucien Favre qui, en conférence de presse, lâchait une petite pique en disant que bah, si la VAR ne marchait pas, ça ne servait à rien d'avoir une VAR en Allemagne. Que forcément, bah, quand on est le Borussia Dortmund, qu'on se bat pour un titre et qu'on se fait pénaliser par une main complètement oubliée, on peut l'avoir quand même en travers la gorge. Mais comme tu as dit, Brieux, ils s'en sont d'abord voulu à eux-mêmes de leur prestation que sur ce pénalty. C'est quand même une mentalité qu'on retrouverait pas en France. C'est quand même quelque chose qui est à souligner. Mathieu, quelque chose à C'est dire? là qu'on reconnaît les grands clubs, les grandes mentalités, tout simplement. Exactement. C'est là qu'on reconnaît aussi les pays de football. On va aussi parler de la dernière petite catégorie un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, Mathéo, un joueur, une tactique, quelque chose qui t'a marqué sur ce match vraiment ou est-ce que toi tu es bon sur ce match et tu trouves qu'on a fait un bon résumé pour l'instant? Bah rapidement, moi c'était le côté droit ou plutôt le côté gauche selon de quel côté on prend, mais plutôt ce duel entre Alphonso Davies et Hakimi. C'était vraiment un duel que j'attendais, et on a vu vraiment deux gros joueurs. Vraiment, honnêtement, c'est deux pépites, c'est deux cracks. Et je pense que le duel a quand même été un petit peu remporté par Alphonso Davies qui a fait encore un match exceptionnel, encore une fois. On ne cessera de le dire encore et encore, mais vraiment bravo à ces deux joueurs qui sont vraiment très bons, et il faudra compter sur eux dans les années à venir, sachant que le marché des latéraux est un marché un petit peu silencieux. Mais là, on a vraiment deux cracks et c'est vraiment exceptionnel. On ne s'étonnera pas de voir le Bayern Munich et le Real Madrid pour Hakimi protéger leurs joueurs pour les saisons qui suivent. Brieux, toi, un dernier petit avis personnel sur ce match? On en a parlé un peu de ce joueur, mais moi j'ai trouvé vraiment horrible et nonchalant, c'est Jadon Sancho. Moi vraiment j'ai trouvé ce joueur exécrable durant tout le match. Les commentaires ont d'ailleurs souligné un joueur qui n'avait pas envie, qui vraiment il marchait sur le terrain, il perdait le ballon, il ne se replaçait pas, ou en marchant. Vraiment, on se demande vraiment s'il a la tête ailleurs ou s'il est vraiment en très très gros conflit avec Lucien Favre. On peut se poser des questions parce que ça fait vraiment. Bah, il n'a pas été titularisé depuis la reprise. Et quand il joue, il ne fait pas beaucoup de différence. Alors que c'est un joueur vraiment exceptionnel quand il est en forme, tout simplement, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc moi, je me pose vraiment des questions par rapport à ce joueur-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé tout simplement au sein du club, mais moi, j'ai trouvé vraiment horrible. Cette saison, il y a beaucoup quand même de rumeurs sur Jadon Sancho, sur un retour en Angleterre. On parle notamment de Manchester United. Il faut souligner aussi qu'il avait déjà été mis à pied en quelque sorte par Lucien Favre en début de saison, parce que justement, il y avait ces rumeurs et que Jadon Sancho avait un peu dit que c'était quasiment fait, quoi, du côté de Manchester, enfin qu'il avait envie en tout cas lui de rentrer à Manchester. Ça n'avait pas du tout plu à la direction du Borussia Dortmund qu'il avait mis sur le banc. Là, il revient du confinement. Un peu en surpoids, on le voit nonchalant sur le terrain, pas titulaire pour les deux premières rencontres, ce qui est quand même assez étonnant. Pour un joueur du calibre de Jadon Sancho, c'est quand même quelque chose qui, enfin, moi personnellement, m'a étonné. Mais quand on connaît un petit peu ce qui se passe en interne et quand on voit les performances, surtout de Jadon Sancho sur le terrain actuellement, on comprend bien évidemment le fait qu'il soit sur le banc et que peut-être qu'il ait aussi envie des envies d'ailleurs et qu'il ait plus envie de se battre pour le Borussia Dortmund. En tout cas, merci messieurs pour ce magnifique débrief sur Borussia Dortmund. Bayern Munich, on espère en voir d'autres, des gros gros matchs comme ça, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Angleterre, où tous les championnats vont reprendre entre le 11 juin et le 20 juin. On espère voir de très très gros matchs. Et on va tout de suite passer à notre deuxième sujet. On va aller en Italie cette fois avec le magnifique, grand et légendaire buteur Zlatan Ibrahimovic du côté du Milan AC. Il est arrivé l'hiver dernier, hein, du côté du club lombard. Il a redonné vie au Milan AC par son âme, par son aura. Il a donné envie de jouer au football à des joueurs comme Ante Rebic, qui depuis son arrivée fait une saison magnifique. Et malheureusement, lors du protocole de remise en forme du Milan AC, un sprint et une blessure, touché au mollet droit. On a eu très très peur du côté du Milan AC que le talon d'Achille soit touché. Heureusement, pour l'instant, sur les premiers examens, le talon d'Achille n'est pas touché. On doit encore attendre certains examens pour vraiment confirmer le fait que Zlatan ne soit pas touché à ce point. On part sur une absence d'un mois. Brieux, est-ce que c'est. On sait que Zlatan s'est déjà fait les croisés avec Manchester United. Il est revenu magnifique.
toujours, toujours monstrueux. On a l'impression qu'il va pas mourir, Zlatan. Il est increvable. Est-ce qu'on se dirige quand même vers une fin de carrière pour Zlatan Ibrahimovic, avec ou sans cette blessure, mais même si cette blessure peut rajouter peut-être un petit peu à son choix de partir du Milan AC et peut-être d'arrêter sa carrière? Je sais pas exactement. C'est vrai qu'on a eu très peur d'une rupture du tendon d'Achille, comme avait fait Kostianu justement il y a 2-3 ans. Et là, on sait que généralement, à cet âge-là, on ne s'en remet pas, même si avec Zlatan, comme tu l'as dit, on ne sait jamais. Il s'est remis d'une blessure des ligaments croisés, vraiment comme si de rien n'était. Mais moi, je me pose vraiment des questions sur son avenir. Ils ont parlé qu'il y aurait plus de contrôle médical. Dans une dizaine de jours, il va passer des nouveaux examens pour en savoir plus sur sa blessure. Moi, je pense que ça peut vraiment être déterminant. Déjà, je ne me fais pas l'idée. Je pense vraiment qu'il ne va pas rester au Milan AC, parce que là, il y a des problèmes au niveau de la direction. Boban est parti, Maldini va sûrement repartir. Et on sait qu'il s'est entraîné avec le club suédois qu'il a racheté en partie pendant le confinement, le club d'Amarba, si je me trompe pas. Donc je pense que Zlatan se dirige vers un départ. Je ne sais pas si c'est un départ à la retraite ou un départ vers son club d'Amarba, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et j'aimerais qu'il continue encore à jouer, parce que c'est toujours beau d'avoir un joueur comme Zlatan sur le terrain. Matteo, qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu? Est-ce que c'est la fin de Zlatan Ibrahimovic? Une carrière magnifique, hein, bien évidemment, pour le buteur suédois. Est-ce que cette blessure peut sonner l'heure de Zlatan Ibrahimovic? Ou est-ce que même sans cette blessure, toi, tu penses qu'il aurait arrêté dès cette saison? Un grand joueur, grande carrière, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'il est plus vers la fin de sa carrière, beaucoup plus qu'au début. Tout simplement, là, il enchaîne quand même quelques blessures depuis quelques années. Je pense qu'il est temps de dire stop et de se reconvertir peut-être dans un métier de futur coach. On sait qu'il a de très bonnes idées footballistiques. Mais ouais, et puis il enchaîne des blessures qui sont pas simples à récupérer. Donc, c'est vraiment pas évident de revenir à un niveau de jeu. Même si Zlatan, c'est un grand professionnel, un rock, il a une hygiène de vie aussi qui est très bonne. Voilà, je pense que dans tous les cas, on se dirige vers un départ. Et voilà, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il faut qu'il se préserve aussi au niveau de sa santé, aussi physiquement. Et voilà, pour qu'il puisse peut-être jouer dans un club, comme tu l'as dit, Brieux, peut-être en Suède ou je ne sais où, avec un niveau un peu moins relevé. Une pression peut-être un petit peu plus faible, même si je sais que la pression et Zlatan, il s'en fout un peu. Mais voilà, je pense que ce serait pas une mauvaise idée de raccrocher les crampons. On pensait peut-être que le Los Angeles Galaxy serait son dernier club, hein. On pensait à une retraite, on va dire, tranquille du côté de Los Angeles. Il a vu quand même de beaux joueurs, hein. Il a joué contre Alphonso Davies, hein, Zlatan Ibrahimovic. Il avait promis d'ailleurs un grand avenir, mais il a décidé finalement de revenir au Milan AC. Et très, très, sans être supporter du Milan AC que je suis, il fait quand même un retour qui, dans les têtes des joueurs du Milan AC, totalement relancer ce club. Pioli peut maintenant, on va dire, gérer son effectif un peu mieux, parce qu'il avait beaucoup de mal à gérer son effectif. Zlatan lui apporte une sérénité quand même, une sérénité devant. Cette blessure, est-ce qu'elle sonne un petit peu la fin de la remontée du Milan AC là, au top niveau en Italie, Brieux? Ou est-ce que tu penses que justement cette blessure va permettre à Ante Rebic, Rafael Leao, Castillejo peut-être même, ou encore à Calçananoglu, de vraiment se montrer, de retrouver un niveau qui est le leur, sans Zlatan Ibrahimovic? Ou est-ce que tu penses que Zlatan est vraiment, on va dire, ce patron dans les têtes des joueurs? Je sais pas du tout, honnêtement. Moi, je pense que le Milan AC a les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut, que ce soit Leo, Rebic ou Paqueta, même que tu as pas cité, mais vraiment, le Milan AC a des super bons joueurs. Après, je pense que c'est compliqué, qu'ils ont un environnement assez compliqué. Zlatan a apporté ce côté serein, ce côté sérieux, ce côté patron finalement qui manquait peut-être sur le terrain. Donc j'attends de voir, mais je fais pas de plan sur la comète. J'attends vraiment de voir la première journée qu'on annonce pour le 25 ou 20, 22, 23 juin par là, pour me faire une idée. Théo, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu? Le Milan AC sans Zlatan, c'est compliqué, ou est-ce que justement, avec l'aura, on va dire, de Zlatan, qui d'ailleurs est rentré en Suède, hein, pour son mois de convalescence, il n'est pas resté du côté du Milan. Est-ce que tu penses que justement ne plus avoir Zlatan dans ce vestiaire, ne plus avoir Zlatan dans les têtes des joueurs, ça va être compliqué? Et est-ce qu'on a plus ce point d'ancrage avec Zlatan qui, on va dire, canalise un petit peu tous les médias sur lui, qui permet un peu aux autres joueurs de respirer un peu plus? Est-ce que c'est pas une mauvaise chose quand même, cette blessure de Zlatan, même si elle devrait durer qu'un mois?
Tu as très justement dit tous les aspects que Zlatan apporte, cet aspect de maintenir la pression sur lui-même et aussi d'être vraiment un pilier sur le terrain, et aussi un papa ou un grand frère pour certains joueurs de son équipe. Mais maintenant, moi, je ne suis pas inquiet pour le Milan AC. Ça peut peut-être aussi donner l'opportunité à certains jeunes joueurs de profiter de plus de temps de jeu. Je sais que Raphaël Leao, il a un potentiel mais monstrueux, et ce serait aussi l'occasion de lui donner un peu plus de pression, un peu plus de responsabilité, et lui permettre aussi de vraiment enfin se révéler dans cette équipe milanaise. Donc, évidemment que c'est un coup dur, mais je ne me fais pas vraiment de soucis pour l'attaque du Milan, et j'espère, en tout cas j'espère, que des joueurs comme Raphaël Leao ou Rebic pourront prendre enfin leurs responsabilités et devenir vraiment de vrais cadres pour une optique d'avenir, bien sûr, pour cette équipe italienne. On suivra en tout cas la saison du Milan AC qui devrait reprendre du coup le 20 juin en Italie avec les demi-finales de Coupe d'Italie qui devraient reprendre avec la Serie A qui devrait suivre derrière. On suivra avec attention le championnat de nos amis italiens. Tu parlais de Raphaël Leao, c'est une magnifique transition pour aller du côté du LOSC. Le LOSC qui a racheté le club de Moucron en Belgique, juste à côté de la ville lilloise. Un rachat pour en devenir un club satellite du club du Nord de la France. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement du côté de Lille avec ce rachat et ce rachat du club de Moucron? C'est une vraie stratégie de la part des dirigeants lillois qui, depuis quelques années, essaient vraiment de racheter un club satellite. Ils avaient essayé un petit peu, je crois, au Portugal. J'ai oublié le nom du club. Ils avaient déjà essayé il y a quelques années avec Moucron, mais ça n'avait pas fonctionné. Là, ça semble être en bonne voie. Ils cherchent un club pour investir, là, je crois que c'est majoritairement, donc autour de 85% du club. Ils cherchent vraiment un club pas très loin de Lille. Moucron, c'est à 30 minutes, c'est vraiment pas très loin, pour pouvoir permettre aux jeunes joueurs de réserve de profiter de la division belge pour vraiment se faire la main, ou des joueurs qui arrivent. On pense par exemple à Gabriel, il y a quelques années, qui est arrivé au Brésil, qui aurait pu jouer à Moucron plutôt qu'en réserve, ou Thiago Diallo qui ponce le banc là en ce moment avec le LOSC, qui aurait pu jouer cette saison avec le club belge. Donc c'est vraiment un projet. Brieux rentrera un peu plus en détail dessus, mais c'est vraiment un projet qui est tourné vers cet aspect de trading, et je vais laisser Brieux un petit peu parler là-dessus. Ouais, comme tu as dit Matteo, c'est un peu comme ce que le LOSC avait fait. Donc le club portugais, c'était le Vitória Guimarães. Le LOSC avait prêté son gardien remplaçant Hervé Coffi, Abou Attara, enfin vraiment des jeunes pousses, des jeunes espoirs lillois qui ont finalement plutôt réussi en Ligue du Portugal, notamment Hervé Coffi. Donc là, c'est vraiment le même objectif pour le LOSC avec le Royal Excel Mouscron, c'est d'avoir un club qui est bien ancré en championnat belge. Le Royal Mouscron, ils sont à 9e, je crois, actuellement au classement, qui a été figé comme pour la Ligue 1. Donc l'objectif, c'est d'avoir un club qui va disputer chaque année le championnat belge, le championnat professionnel belge, qui a un bon niveau, qui a un niveau un peu inférieur à la Ligue 1, qui sera un peu intermédiaire entre la Ligue 1 et la Ligue 2 finalement. Donc se frotter quand même à des grosses écuries européennes comme le Standard de Liège, pardon, le Anderlecht ou d'autres équipes qui ont ce profil. Et donc de développer ces jeunes pousses pour avoir finalement un intermédiaire, comme l'a dit Mathéo, entre le centre de formation et l'équipe première du LOSC. Donc pour les jeunes pousses lilloises qui ont du mal à se développer, on peut parler notamment de l'effectif lillois qui est assez solide. Et on sait que le LOSC a fait un plutôt joli parcours en Coupe Gambardella ces 2 dernières années. Donc moi je pense, et même en U-SIG, pardon. Donc on sait que le LOSC a un bon vivier de formation. Ça peut être très intéressant pour les jeunes pousses lilloises de faire leur gamme en championnat belge. En tout cas, ça reste dans la philosophie de Luis Campos et de la direction du LOSC de continuer à acheter des jeunes joueurs et pour les former, pour peut-être après, dans cette histoire de trading, les revendre du côté de plus grands clubs. C'est toute une stratégie qui est mise en place par le LOSC et qui passe par ce rachat de l'Excel Mouscron du côté de nos amis belges, de nos voisins belges. Merci en tout cas, messieurs, pour toutes ces magnifiques infos, ce magnifique débrief du match, Zlatan, tout ça. Je vais laisser maintenant Mathéo, qui va nous parler un peu de toute l'actualité mercato qu'on a pu voir cette semaine. Je t'en prie, Mathéo, vas-y. Alors cette semaine, ça a pas mal bougé, et surtout au Paris Saint-Germain, qui est vraiment en train de s'activer en coulisses. L'information principale, c'est Mauro Icardi qui devrait être racheté officiellement, 57 millions d'euros. Charles, rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment le bon coup du mercato du côté du PSG? 57 millions d'euros pour Icardi, c'est quand même pas mal.
c'est pas mal du tout. Après, ça peut, on va dire, choquer certaines personnes dans la période qu'on vit. 57 millions d'euros pour un buteur, je pense qu'il n'y aura pas des grosses offres cet été sur le marché des transferts. Mais je pense que sur le long terme, 57 millions pour Mauro Icardi, mais c'est un cadeau. Franchement, c'est un cadeau. Il y a encore un an, avant qu'il s'embrouille un peu avec l'Inter Milan, on parlait déjà des offres à plus de 100 millions d'euros. Là, son prix est quasiment divisé par deux pour un joueur qui n'a pas perdu de niveau. Enfin, il a continué à enchaîner but sur but avec le Paris Saint-Germain. Enfin, mis à part Thomas Tuchel, il a un petit, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a un petit différent avec Thomas Tuchel. Mais dans le sens où si Mauro Icardi vient, c'est aussi le départ d'Edinson Cavani. Je pense que ça scelle totalement ça. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Après, 57 millions d'euros, comme tu l'as dit, c'est quand même, j'ai pas envie de dire un braquage parce que ça reste quand même de grosses sommes, mais c'est quand même un très très bon prix pour un des top buteurs actuellement en Europe. Vous parlez et je parle aussi de buteurs. Un buteur qui fait l'actualité vraiment en ce moment, c'est Werner de Leipzig. On sait qu'il veut vraiment aller à Liverpool. Liverpool est vraiment intéressé. Le club de Leipzig a fixé son prix à 60 millions d'euros. Il semblerait que Liverpool fasse un peu les difficiles et offrirait 40, 45 millions maximum. Brieux, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que 60 millions pour Werner, qui est quand même un très bon attaquant, est-ce qu'il est vaut? Est-ce que tu trouves peut-être Liverpool un peu radin ou... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il les vaut vraiment parce que on l'a encore vu cette année, il plante à chaque match ou presque, il est à 24 buts, je crois, en 28 journées de Bundesliga, ce qui est incroyable pour un attaquant. En Ligue des Champions, il a aussi pas mal marqué. L'année dernière, il avait déjà fait une grosse saison en Bundesliga. Donc, c'est un attaquant qui marche bien et on sait maintenant, c'est un des sûrement top 10 buteurs en Europe. Après, moi, je me pose la question parce que moi, j'adore personnellement Roberto Firmino et je ne sais pas trop comment Jurgen Klopp va réussir à gérer la concurrence entre ces deux joueurs-là. C'est peut-être pour ça aussi que Liverpool se laisse du temps et essaye de baisser le prix. Parce que mettre 60 millions sur un buteur qui va devenir remplaçant, ça peut faire très cher. Donc voilà, moi je me questionne quant à la faisabilité de cette recrue. Et puis on finit avec les informations officielles vraiment très rapidement, messieurs. Florian Maurice-Sarène, on en a déjà parlé, c'est enfin officiel. Karamoko et Crasso à Saint-Etienne pour lancer le mercato stéphanois, deux jeunes joueurs qui viennent d'un championnat amateur. Donc on suivra ça de près. Et enfin, la dernière petite information, c'est Jean-Charles Castelletto qui signe au FC Nantes. Il arrive libre de tout contrat du club de Brest. Donc voilà, un mercato qui était quand même assez agité. Oui, Brieux, si tu peux réagir. Petite information sur une pépite parisienne avec Adil Aouchiche qui aurait passé ses tests médicaux hier à l'AS Saint-Etienne. Grosse perte pour le PSG. Alors, ce ne sont pas des tests médicaux qui ont été passés. Il a visité les infrastructures de Saint-Etienne. Il n'y a pas encore de tests médicaux, c'est juste une visite pour l'instant d'infrastructures. Faut savoir qu'aussi, pour rebondir un peu sur Aouchiche, Aouchiche a dans sa tête l'idée de partir à l'étranger depuis maintenant déjà quelques années. Et alors selon les informations de l'équipe, il voulait rester 2 ans dans un club français, histoire de rester dans un club français avec du temps de jeu pour partir à l'étranger. Donc, de toute façon, il ne serait pas resté au Paris Saint-Germain, même après s'il avait été titulaire et qu'il avait joué plus que 6 minutes. Merci Thomas Tuchel cette saison. Donc voilà, c'est un peu pour dire, sachant qu'il y a aussi Blosk qui est sur le jeune milieu offensif parisien. On va passer maintenant à notre rubrique prono de la semaine. Quel gros match nous attend ce week-end, Brieux? De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler du match entre Cologne et le Borussia Dortmund. Donc c'est le match qui va se disputer lundi soir. Pardon? Le Red Bull Leipzig, pas le Borussia Dortmund. Le Red Bull Leipzig, pardon, effectivement. Le Red Bull Leipzig qui est actuellement quatrième en championnat et qui a du mal, voilà, qui alterne entre le bon et le moins bon. Ils ont fait un nul, je crois, 2-2 pardon, contre le Hertha Berlin. 2-2 contre le Hertha Berlin. Ils avaient gagné 5-0 à Mayence. Et ils avaient fait un partout aussi contre Fribourg. Donc, c'est un club qui a des performances un peu en dents de scie en ce moment. Tandis que Cologne, pendant ce temps-là, a perdu aussi 3-1 face à Hoffenheim. Ils ont fait 2-2 contre Düsseldorf, 2-2 contre Mayence. C'est vraiment deux clubs qui sont un peu en dents de scie, même si... Leipzig, bien sûr, a une force de frappe beaucoup plus intéressante. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que vous pensez que ça va tourner à la démonstration du côté de Leipzig ou plutôt peut-être un match assez serré? Et pourquoi pas la surprise de Cologne? Matteo, t'en penses quoi?
Moi, je vois honnêtement plutôt une victoire de Leipzig qui est revenue dans un très bon état de forme, avec notamment un joueur moi, que j'aime bien, c'est Sabitzer, qui est vraiment à la passe, au but. C'est un joueur exceptionnel et qui se révèle vraiment assez cette saison, plutôt qui confirme, puisqu'il a des stats plutôt intéressantes depuis quelques saisons maintenant. Donc, je vois bien une belle victoire de Leipzig, peut-être sur un 3 buts à 1, avec un but de Sabitzer. Donc une grosse performance de Sabitzer pour toi. Charles, t'en penses quoi, toi? Tu penses que Sabitzer va être vraiment déterminant? C'est qu'il a été repassé plutôt au cœur du jeu cette année, alors qu'il était plutôt ailier les années précédentes. Qu'est-ce que tu penses de Sabitzer et surtout qu'est-ce que tu vois pour ce match? Sabitzer, comme a dit Matteo, il confirme. La saison dernière, on voyait déjà le jeune Autrichien qui quand même montre de belles qualités. Cette saison, il prend une place beaucoup plus importante dans le système de jeu du Red Bull Leipzig. C'est un très très bon joueur qui vraiment le jeu cette saison avec Christopher Nkunku. Je pensais jamais dire cette phrase, mais c'est vrai. Mais c'est quand même un très très bon joueur, hein, Sabitzer. Il maintient toute la partie offensive. Je pense que Timo Werner ne serait pas aussi performant sans Marcel Sabitzer. Après, moi, concernant le match, je suis très partagé. Je pense que soit ça va être une démonstration de Leipzig, soit ça va être un match très serré. On va pas du tout voir un bon Leipzig. Et moi, je partirais plus sur cette deuxième option. Parce que Cologne, le match contre Düsseldorf, tu te dis, ils ont fait 2-2. Pour rappeler un peu le contexte du match, hein, ils perdent 2-0 jusqu'à la 85e et ils reviennent à 2-2 en littéralement 2 minutes. Et ils ont une force mentale, Cologne, qui est quand même assez impressionnante. Des joueurs qui vraiment vont au charbon, veulent se battre. C'est vraiment une équipe qui est très très intéressante d'un point de vue mental. Et à tout moment, elles peuvent renverser une équipe comme Leipzig qui a eu du mal, hein, contre ces petits clubs comme Düsseldorf, non pardon, comme Fribourg au début de la reprise, aussi contre Mayence, ils ont déroulé. Ça, pour moi, ça va être très compliqué. Faut pas du tout sous-estimer cette équipe de Cologne. Et je m'attends à un très bon match de Cologne sur le plan mental, mais aussi sur le plan physique. Ils vont donner une vraie, vraie bataille à l'Epic. Ok. Donc au niveau des joueurs, moi j'ai très très. Enfin, on a tous vu, je pense que Timo Werner est resté Timo Werner même après ce virus. Même Christopher Nkunku qui fait une grosse saison avec 15 passes décisives, qui est troisième meilleur de Bundesliga, troisième meilleur passeur pardon de Bundesliga derrière Thomas Müller et Jadon Sancho. Quel joueur vous voyez briller du côté de Cologne? C'est un peu plus compliqué, on connaît peut-être un peu moins. Il y a Cordoba, le buteur, qui en est déjà à 11 buts quand même. On n'en parle pas beaucoup, mais ça plante quand même 11 buts. Qu'est-ce que tu penses que ces joueurs vont faire, Matteo? Est-ce que tu as une petite idée sur un joueur qui pourrait faire des différences lundi soir? Bah, j'ai parlé de Sabitzer. Vraiment, je trouve que c'est le joueur qui peut vraiment débloquer pas mal de situations et dans ce match. Mais Thibaut Werner, pareil, exactement, un joueur qui est un vrai goléador, un vrai buteur. Donc évidemment, je miserais sur un but. Et puis comme tu as dit, Cordoba, qui est aussi un très bon joueur, et je le vois bien. En tout cas, s'il y a un joueur qui peut vraiment marquer dans cet effectif de Cologne, c'est lui. Donc je réitère mon 3-1, 3 buts à 1, avec un but de Sabitzer. C'est un doublé de Werner et Cordoba de l'autre côté pour Cologne. D'accord. Toi, Charles, on sait que la semaine dernière, c'est moi qui avais plutôt raison au niveau du pronostic parce que le Bayern Munich a gagné. Je suis mal placé. Qu'est-ce que tu penses du résultat et quel joueur va apporter cette différence selon toi? Moi, je vois un match nul. Je vois un match entre les deux équipes. Je vois pas. Je pense qu'il y a un défi physique qui sera peut-être trop important pour Leipzig. Comme tu l'as dit, il y a des Cordoba déjà en attaque qui, à mon avis, peut faire très très mal. Mais je pense surtout que ce match va dépendre. Enfin, je pense que Leipzig peut gagner ce match s'il y a un grand Youssouf Poulsen. On n'en a pas du tout parlé, mais Youssouf Poulsen, quand même, depuis la reprise du championnat, capitaine aussi contre Mayence. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est du côté de Leipzig. Il peut, pour moi, c'est vraiment le joueur qui peut faire la balance du côté de Leipzig. Mais je vois quand même un match nul. Un but partout avec un but de Cordoba et Youssouf Poulsen, histoire d'égaliser un petit peu tout ça. Effectivement, il fonctionne en grande forme en ce moment. 4 buts en championnat cette saison, dont 3 lors des 3 derniers matchs finalement. Donc, c'est vraiment l'homme en forme finalement de ce Rasenballsport Leipzig depuis la reprise. Moi, de mon côté, je vais aller un peu dans le même sens que Charles. Je pense que ça va être un match assez serré. Mais je pense que Leipzig va réussir à trouver la solution. Et je verrais bien une victoire par un but d'écart, un 2-1 ou peut-être même un 3-1 avec un match un peu fou et Leipzig qui arrive vraiment
à faire des différences en contre. Et un but de Timo Werner et un but de Youssouf Poulsen. Donc voilà, merci pour ce partage. Et on espère cette fois-ci que vous aurez raison. En tout cas, on suivra ce match avec impatience, bien évidemment, le match entre le Red Bull Leipzig et Cologne, lundi soir, entre ces deux formations. Merci beaucoup, messieurs, pour cette magnifique émission, encore une fois. Et on va vous faire un petit teasing, bien évidemment, en fin d'émission. Pas de débat cette semaine, mais l'arrivée des lives sur Passion Foot, bien évidemment, avec une toute nouvelle émission. L'émission Le Focus, focalisée du coup sur une équipe, sur la saison, sur les objectifs, sur le mercato. On vous tiendra au courant, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, mais dès cette semaine, le premier live de Passion Foot pour cette toute nouvelle émission. Merci encore, messieurs, pour tout ce que vous avez apporté à cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et aussi à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez, d'aller sur le compte Instagram et aussi sur la page Facebook désormais de Passion Foot pour suivre toutes les émissions. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour ce magnifique live cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Encore Messi, goal, 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 goal